Bonjour à tous. Alors, vous vous en doutez, hein, si je vous retrouve autre part que devant mes sempiternelles bibliothèques, c'est tout simplement parce que la vidéo d'aujourd'hui sera du coup un vlog. Un vlog totalement impromptu, absolument pas prévu, puisque en fait, pour tout vous expliquer, il y a quelques jours de ça, je discutais avec ma copine Sab de la chaîne Call Me Sab. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui, par le plus grand hasard, ne connaîtraient pas encore sa chaîne, qu'attendez-vous? Je vous invite vraiment à la découvrir. Parce qu'au-delà d'être une personne absolument formidable, cultivée et d'une gentillesse rare, bref, une nana en or, c'est en plus une grande amoureuse des livres qui lit plein de choses et qui en parle extrêmement bien. On referme du coup cette petite parenthèse déclaration d'amour et je disais donc qu'il y a quelques jours, elle m'a tout simplement contactée en me disant « Hey, est-ce que ça te dirait que d'ici 3-4 jours, on se fasse une nuit blanche pour lire un max de bouquins de 22h à 8h du matin ?» Ce à quoi vous vous en doutez bien, j'ai répondu oui. Nous sommes donc présentement le 27 mars, il est très exactement 19h07. Et dans quelques heures, je vais donc débuter ma nuit blanche de lecture et bien sûr, vous emmener avec moi. Alors oui, hein, j'ai fait cette intro pendant qu'il fait encore à peu près jour, puisque du coup, lorsque je vous reprends, eh bien, il fera nuit. Alors il est probable que cette vidéo sera un petit peu longue, mais bon, je me dis, en ce temps de confinement, est-ce qu'une vidéo longue, ça vous dérangera vraiment? Je ne suis pas certaine. Est-ce que d'un point de vue pratique, j'avais prévu de faire une petite sieste de derrière les fagots cet après-midi? Oui. Est-ce que je l'ai faite? Absolument pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause du travail, des tâches ménagères, j'ai envie de dire, absolument basiques et élémentaires, et aussi à cause de Franck Tillier. Ouais, vous avez bien entendu. Parce que je suis en pleine lecture de ce roman et que, croyez-moi, ce livre me tient beaucoup trop en haleine. Il me reste à peu près 150 pages et là, il n'y a juste pas moyen, faut que je termine avant ce marathon lecture by night. Parce que je vais pas pouvoir rester avec ce suspense. Pas possible. Je doute du coup que je vous donnerai un avis très très détaillé dans ce vlog, mais je crois que pour l'instant on est vraiment bien parti pour que ce soit mon Tillier préféré. C'est pour vous dire. Vous excuserez cette coupe de cheveux, ma foi, plus qu'approximative parce que, comme tout le monde, je suis en confinement, ce qui veut dire que je n'ai pas revu ma coiffeuse depuis un certain moment et que ça commence à se faire sentir et à se voir. Ah, et puis sinon, la petite intro que j'ai voulu un petit peu détente, eh bien, c'était dans l'espoir de peut-être détendre de la nouille certains d'entre vous qui seraient un petit peu crispés par cette ambiance de confinement. C'est cadeau, j'espère au moins que ça vous a plu. Sur ce, je vais aller préparer ma petite ballonnette, je vais aussi préparer mon petit coin lecture pour cette nuit. Et je vous retrouve, je pense, à 22h. À toutes. Bon, finalement, je vous retrouve juste un tout petit peu plus tard. J'avais dit que je reviendrais à 22h, mais il est présentement 23h19. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais terminer La mémoire fantôme de Franck Tillier, ce qui est donc à présent fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai absolument adoré cette lecture, mais que je vous en parlerai bien plus en détail dans un point lecture. Alors vous excuserez cette luminosité absolument dégueulasse. Je fais ce que je peux, mais les lumières sont très jaunes. Je vais voir après si je peux trouver autre chose. J'ai vu que sur Instagram, certaines d'entre vous nous souhaitaient bonne chance. Certaines se sentaient absolument incapables de le faire et d'autres étaient
avait envie, pourquoi pas, de participer aussi. Donc je trouve ça plutôt cool et peut-être qu'on mettra sur pied un challenge comme ça prochainement. On verra bien. Toujours est-il que du coup, j'ai décidé de compter le nombre de pages que je lirai pendant ces 10 heures. Parce que oui, tout à l'heure, j'ai compté et je me suis rendu compte que lire de 22h à 8h du matin représente effectivement 10 heures de lecture. Bravo Reed, tu es très forte en maths. Et comme assez régulièrement, en fait, certains d'entre vous me demandent un peu combien de livres je peux lire par mois, combien de temps par jour je consacre à la lecture, etc., etc. Et c'est vrai que quand je lis, jamais je note en fait par exemple le nombre de pages que je peux lire à l'heure ou des choses comme ça. Et du coup je me dis que ce petit challenge, ça peut être sympa de faire finalement une sorte de petite expérience personnelle et de me rendre un petit peu compte justement sur un nombre d'heures données, combien de pages j'aurais pu lire. Donc pour l'instant, j'ai noté, c'est vraiment pas pratique du tout de filmer à bout de bras, j'en suis désolée, j'espère que ça va pas trop bouger. D'habitude, je vous habitue à mieux que ça, mais bon, je suis un petit peu avec les moyens du bord. Puis j'ai l'impression qu'il y a une éternité que j'ai pas vlogué. Je crois que je vais finir par vous poser pour avoir mes deux mains de libre. Puis ça va pas être pratique du tout, parce que j'essaie de ne pas parler trop fort. Parce que bien sûr, mon amoureux étant une personne absolument normale et sensée, lui est parti dans le lit dormir tranquillement. Donc j'aimerais éviter de le réveiller. Ok, pour l'instant j'ai lu 39 pages. Autant dire un butin plutôt maigre. Je vais donc tout de suite faire un petit point avec Sab, voir par quoi elle a commencé son petit défi. Pour l'instant, le niveau de fatigue est à un niveau tout à fait normal et gérable. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre un petit tracking en bas de l'heure, du nombre de pages lues et du niveau de fatigue ressenti. Et peut-être aussi du niveau de faim ressenti à un moment. Tout ça pour vous dire que avant de me poser et de me mettre à bouquiner à fond les ballons, je voulais vous montrer mon petit spot de lecture qui, ma foi, n'a rien d'exceptionnel, mais j'avais envie. Il faut m'expliquer pourquoi Isa de la chaîne Isa Natural Tales met en ligne des vidéos maintenant, à cette heure-ci, alors que je suis censée ne faire que lire et que je suis complètement accro à ces vidéos. C'est pas sympa du tout, Isa. Donc oui, vous l'aurez compris, le gros challenge aussi, ça va être de ne pas se laisser distraire par les réseaux. Bon, je vous montre mon spot de lecture. Et ma pile à lire aussi, accessoirement. Je vous montre tout ça. Côté spot de lecture, ça ne ressemble absolument à rien, mais ça donne ça. C'est-à-dire mon canapé avec cette magnifique méridienne extrêmement large afin de pouvoir y apposer correctement mon gros popotin avec bien sûr une montagne de plaides pilou en poil tout doux. Et voilà la bête. Ça c'est ma petite balle que je me suis fait pour ce soir. Soyons clairs, je pense franchement pas avoir le temps de tout lire, mais je me dis au moins j'aurai du choix. Sans compter que ma véritable palle est beaucoup plus grande que ça et que si jamais je peux piocher dans approximativement les 300 livres que j'ai à lire chez moi. Avec du coup mon petit téléphone pour prendre des nouvelles de ma collègue ainsi que du coup mon bouquin que je viens de terminer. Et ici un livre que j'ai commencé cette semaine. Du coup je sais pas si je me jette là-dedans pour le terminer ou pas. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas lu un Maurice Leblanc. Plus particulièrement Arsène Lupin. Je crois que d'ailleurs depuis que j'ai la chaîne, j'en ai pas relu. Donc ça me manquait pas mal. Du coup je me suis lancée dans celui-ci qui est, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième de la saga. Je les ai pas lus dans l'ordre, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous devez le savoir maintenant avec moi, c'est plutôt dans mes habitudes. Malheureusement, je lis rarement les sagas dans l'ordre. Même si, maintenant j'ai essayé de faire plus attention. Donc je sais pas, j'avais bien envie de continuer avec ça, mais je vous avoue que là tout de suite maintenant, je suis pas sûre. Mon magnifique marque-page offert par mon amoureux. J'hésite entre un truc hyper addictif, un truc qui se lit très bien, super drôle,
et un truc qui a l'air de bien se lire mais que je connais pas, et un truc plutôt jeunesse. Donc, concrètement, j'hésite entre celui-ci, parce que j'avais bien aimé Junk de Melvin Burgess. Je suis désolée, ma mise au point est une chie. J'hésite avec ça, parce que c'est du Nadine mon fils, et que forcément je vais kiffer. Du Karen Jebel, parce que ça se lit trop bien. Et ça, parce que je crois que si je le lis pas en challenge, un petit peu comme maintenant, je risque de jamais le lire. Et que je l'ai emprunté, je crois, à ma maman, et que peut-être qu'un jour ce serait bien que je le rende. Bon, je vais essayer de faire un choix entre tout ça et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Je me suis fait une petite installation de lumière qui, ma foi, rend premièrement beaucoup mieux à l'écran et de deux, me pète largement moins les yeux. Même si on pourrait croire que la lumière un peu jaune des ampoules déco, ça donne une ambiance chaleureuse, etc., etc. Ça ne m'aidait pas du tout à me concentrer sur ma lecture. Et j'ai donc installé mon petit réflecteur face à la vitre. Écoutez, ma foi, je trouve ça plutôt pas mal, autre que ces considérations colorimétriques. Je revenais pour vous dire que j'ai fini par trancher et que je vais me lancer dans la lecture de Les Tribulations d'une caissière d'Anna Sam aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va se lire très 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 vite. Parce que ça fait 180 pages et que je pense que j'aurai très peu de choses à dire sur le sujet. Par conséquent, j'avais pas très très envie de vous en parler dans un point lecture classique, dirons-nous, dit les nouvelles ma copine. Que se passe-t-il du côté de Sabrina ? Sinon, je venais pour une autre chose extrêmement importante, pour vous montrer tout simplement ma petite boule de poil. Il faut savoir que d'habitude, à cette heure-ci, elle est dans le lit, mais comme là, je reste dans le canapé et que c'est une autre lieu, et bah forcément, elle reste dans le canapé. Ça va, Minoucha ? Et alors surtout, faut m'expliquer comment elle fait pour dormir alors que sa patte arrière s'y trouve là, au niveau de sa tête. Oh lolo lolo. Je ne demande que des câlins et de l'amour. Ah oui, fais-moi des gratouilles. Le problème, c'est qu'avec elle, je peux faire ça littéralement pendant les 10 heures qui vont venir. Que du coup, bah, si je m'écoute, je fais que ça et je lis pas. Bref, il est donc approximativement 11h30. J'en suis à même pas 50 pages lues. Et pour l'instant, la fatigue, ça va. La voix, un petit peu moins. Je vais donc discuter un tout petit peu avec ma copine. Et je me relance dans ma lecture. Ça y est, je suis passée en mode horizontal. J'espère que c'est pas le début de la fin. Je revenais juste parce que, du coup, je suis en train de lire ça. Et bon, pour l'instant, j'avais raison. Ça se lit hyper bien. C'est assez léger, c'est tout simplement... En fait, l'auteur était elle-même caissière pendant 8 ans et donc elle a un petit peu compilé tout ce qu'elle a pu voir, entendre, etc. Alors il faut savoir que personnellement, j'ai une sainte horreur d'aller faire les courses parce que pour moi, les supermarchés sont à peu près la concentration de tout ce que l'humain est capable de dire et de faire en terme de non-respect des autres. Bref, toujours est-il que il y a énormément de choses dont elle fait part là-dedans, dont j'ai l'impression d'être moi-même témoin à chaque fois que je vais faire les courses. Et là, l'auteur vient de parler dans un chapitre de ces gens qui, lorsqu'ils passent à la caisse, sont au téléphone et font comme si la caissière n'existait pas. Et elle a aussi également parlé d'un type de client qui pour eux sont d'une extrême rareté, qui sont ces gens dont je suis très fière de pouvoir dire que je fais partie, qui lorsqu'ils arrivent à la caisse, raccrochent leur téléphone pour passer à la caisse et discuter gentiment avec la caissière. Tout ça pour dire, faites attention aux caissiers et aux caissières, s'il vous plaît, parce qu'ils n'ont vraiment pas un métier facile, alors juste évitez d'être des connards lorsque vous passez en caisse. Ce serait sympa. Bref, je retourne dans ma lecture. J'en suis à la page 39. Et j'avance bien. Minuit 15, je crois que je viens de résoudre le mystère de la ruée vers les rouleaux de papier toilette en ce temps de confinement. Puisque dans ce livre, ma foi, fort intéressant, du coup, je viens d'apprendre qu'à
qu'apparemment, les Français sont les plus gros consommateurs de papier toilette en Europe. Tout s'explique. Il est 1h30 du matin. Ça y est, j'ai plus la foi de vous tenir. Vous avez fini sur le trépied. J'ai bien avancé. Ça, c'était la cafetière qui tourne, parce que ça commence à être un petit peu compliqué. J'en suis à la page 136. J'avance plutôt bien. J'en suis bientôt à la fin. C'est plutôt cool. Rien d'extraordinaire non plus. Je vous ferai un petit résumé rapide. Mais j'avoue que pour après, j'ai envie d'un truc un petit peu plus consistant. Et sinon, j'ai toujours ma compagne de lecture qui n'a pas bougé. Pourtant, ça se voit à ses yeux, elle aussi, qu'elle a vraiment envie de dormir, mais... Il n'y a rien à faire. Elle me ferait presque de la peine. Bon, du coup, j'y retourne. Je vous avoue que ça commence à être un petit peu compliqué. Que je dois pas avoir l'air très fraîche. Et que je pense que je vais grandement apprécier ce café. Je vous reprends du coup dès que j'ai terminé mes tribulations d'une caissière. Il est très exactement 2h05. Ça y est, j'ai perdu ma compagne de lecture. Mon chat en a eu marre, je pense, de ses conneries et est directement parti se coucher bien peinard dans mon lit. Est-ce que cette situation est normale? Je ne crois pas. Bref, c'est pas tout. J'ai presque terminé mon bouquin. Donc j'y retourne tout de suite et je viens vous en parler après. Ok, rectification, elle n'est pas du tout allée se coucher. Elle a juste trouvé une plume cachée, je ne sais pas où. Et ça fait un quart d'heure qu'elle s'éclate avec. À bientôt 3h du matin. C'est tout à fait normal. Non, rectification, il est 2h. Ça y est, je perds la boule. Je sais pas si vous la voyez. Elle s'éclate. Ce que je peux préciser, c'est que ce chat adore faire ça à peu près... 3 nuits par semaine. Entre 2 et 5 heures du matin, c'est l'heure où elle est la plus active. Un vrai régal pour nos nuits paisibles. Il est 2h40. J'ai terminé. Il y a un petit quart d'heure, 20 minutes. Les tribulations d'une caissière. C'était sympa, mais sans plus, dirons-nous. Bon, alors comme je m'y attendais, c'est un roman qui fait une sorte de d'état des lieux, de... du métier de caissière qui est encore aujourd'hui assez mal considéré, je dirais, avec en nous livrant en fait des anecdotes pour certaines drôles, pour d'autres désopinantes ou d'autres encore complètement révoltantes. Bon, alors je vous cache pas que par moment j'ai eu quand même le sentiment que ce roman enfonçait un petit peu des portes ouvertes ou avait un côté peut-être un peu caricatural des fois dans les anecdotes. Et puis, je me suis souvenue quand même des attitudes que je pouvais moi-même voir dans les supermarchés et non. Non, je me suis bien rendu compte que, en fait, ce genre de choses arrive vraiment et que l'humain peut être absolument stupide. L'homme serait-il assez fort ? J'en doute, complètement idiot parfois. Alors j'ai bien compris que le but premier de ce roman, c'était en quelque sorte de redorer un petit peu le blason de cette profession, mais finalement, après l'avoir terminé, j'ai plutôt eu le sentiment que vraiment ça donnait une vision extrêmement négative en fait de ce métier, que l'auteur se plaignait constamment finalement de ce métier, et moi tout ce que ça m'inspirait au-delà de
plus justement de redorer le blason de cette profession, c'est plutôt justement de me donner l'envie de fuir complètement ce métier et de surtout ne jamais le faire, parce qu'à l'écouter, c'est juste le pire métier de l'univers. Alors après, hein, je suis obligée de la croire sur parole parce que je n'ai jamais fait ce métier-là. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, j'ai aussi fait des jobs de merde, disons-le clairement. Hein, je pense à peu près comme tout le monde quand on était jeune et qu'on avait besoin de sous. Mais je n'ai pas fait celui-ci. Après, j'aurais bien aimé aussi que l'auteur rajoute finalement à ce roman quelques touches peut-être un peu plus légère et positive, parce que comme je dis là, on a finalement quelque chose d'assez négatif, et je peux pas croire qu'en 8 ans de métier elle ait pas eu aussi des moments finalement heureux, ne serait-ce que par sa relation avec ses collègues. D'ailleurs, elle laisse un petit peu sous-entendre dans les remerciements que certains ou certaines anciennes collègues sont devenues des amies. Et je trouve que ce côté positif finalement, qui peut aussi ressortir de certaines relations humaines, transparaît pas dans ce roman, et c'est un petit peu dommage. Bon, et puis après, pour ce qui est du style d'écriture, on est sur quelque chose de un peu passe-partout, hein, j'ai envie de dire. Clairement, on n'est pas sur une exigence très très élevée au niveau du style. Et pour ce qui est du côté un peu humoristique de la chose, alors oui, j'ai souri en lisant certains passages. Après, soyons honnêtes, j'ai pas non plus ri à gorge déployée. Ne vous attendez pas non plus à ça. Après, je suis pas forcément non plus très facile pour tout ce qui est déclencher le rire ou même les pleurs d'ailleurs en lecture. Mais voilà. Dire que ça m'a fait gentiment sourire. Donc j'ai envie de dire, pour résumer, que c'est un petit roman, un petit peu passe-partout, qui ma foi se lit très vite, mais que je pense aussi très très vite oublier. Et par conséquent, il est 2h45 du matin, très exactement, et je rajoute 187 pages de plus à mon compteur, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas beaucoup. Mais je me rends compte que déjà en temps normal je ne lis pas extrêmement vite, mais comme en plus là je commence à être fatiguée, je lis encore moins vite, sachant que je fais pas que ça non plus, hein, je fais des petites pauses entre deux. Donc nous en sommes à pratiquement 5 heures de challenge. Bizarrement, en fait, je me rends compte que le temps passe hyper vite la nuit, genre je suis à la moitié et j'ai lu un petit livre et une fin de roman, ce qui est vraiment très peu, je m'attendais à beaucoup plus. Mais bon, écoutez. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie de lire complètement autre chose. J'hésitais très fort entre plusieurs trucs. Entre le Karen Gebel, un témoignage, le Melvin Burgess, ou, et j'avoue que j'en ai très envie, le tome 2 de Jacobi. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le point lecture du tome 1, on se situe à Londres, au 19e siècle. Oui, il me semble que c'est le 19e siècle. Avec un mélange entre Sherlock Holmes et les animaux fantastiques. Avec un personnage masculin un petit peu inadapté socialement, mais également extrêmement intelligent. Et une jeune nana dont le père était, archéologue, il me semble, et qui a une grosse envie d'aventure, et qui clairement va être servie. Donc voilà, j'ai bien envie de me lancer dans ça, et je vais essayer de l'attraper. Voici donc le tome en question. Il fait à peu près 340 pages. Je crois que je vais commencer à bouquiner ça, et puis je verrai bien si ça passe ou pas à cette heure-ci. Sinon, au niveau fatigue, ma foi, depuis que j'ai bu mon café, ça va plutôt bien. Je vais peut-être aller m'en servir un petit deuxième. Et au niveau de la faim, bah, je m'attendais à grignoter à fond les ballons. Et en fait, pas du tout. Je pense passer en position horizontale, vous remettre sur le trépied, et je vous reprendrai du coup quand j'aurai débuté, je pense.
Tu ne rêves que d'une chose. Mon lit. Et ma couette. Tellement douce, chaude et moelleuse. Il est 5h du matin. J'ai lu une centaine de pages de Jacobi. Et je crois que je vais faire une petite sieste d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Histoire de continuer. Parce que là, c'est trop difficile. Sinon, je viens de découvrir que c'est exactement à 5h du matin que les oiseaux se mettent à chanter. Parce que depuis tout à l'heure, c'est la fiesta dans le jardin. Je pensais que c'était beaucoup plus tard, mais apparemment non. Bon, du coup, j'ai fait un micro de dos et je vous reprends juste après. Promis. Je ne sais pas si cette sieste était une très bonne idée. Parce que là, tout de suite, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon lit. Il est 5h47 du matin. J'ai fait une toute petite sieste. Et le chat lui pète la forme. Tu vas aller me faire un café. Et je vais essayer de lire pendant les deux dernières heures qu'il me reste de ce challenge. On y croit. Il va être 7h du matin. Bonne nouvelle. Je pense avoir perdu Sab. Et en fait, non. J'en suis à la page 150 de ce roman. Je pense pouvoir dire que cette expérience est un gros fail parce que je m'attendais à lire beaucoup plus. Et en fait, la nuit n'est pas du tout propice à la lecture. Donc là, il me reste 1h04 très exactement pour bouquiner et lire approximativement 200 pages, ce qui est absolument impossible. Je vais donc terminer cette petite expérience à mon rythme et on fera le bilan, dirons-nous, à la fin. Sinon, il y a ma compagne de lecture qui n'est toujours pas couchée non plus. Je parle pas de Sam, là, pour le coup, je parle de mon chat, qui me regarde avec un air pas très avenant. Je crois qu'elle comprend vraiment pas pourquoi je suis encore levée à cette heure-ci. Et sinon, je vous ai pas dit, mais c'est vachement cool, hein. C'est juste que je crois que j'ai vraiment besoin de sommeil, mais je m'éclate quand même dans ma lecture. Mais à mon avis, je vous ferai un retour du coup complet dans un point lecture. Parce que là, si je vous en parle là tout de suite maintenant, à mon avis, ça ressemblera pas à grand chose. Bon, ça y est, il est 8h ou pratiquement 7h51. Je déclare forfait. Je pense que j'aurai assez lu comme ça. Bilan de l'expérience, 3 cafés bu, une sieste, une cinquantaine de messages échangés avec Sam, 2 tartines et le maigre butin de 424 pages lues. Autant dire que je ne suis absolument pas du tout productive la nuit. Par conséquent, cette expérience ne m'aura pas du tout aidé à connaître un petit peu mieux ma vitesse de lecture. Je vais donc continuer, je pense, à faire mes petites lectures de jour. Ce sera beaucoup mieux et en attendant, je vais aller rejoindre mon lit, histoire de reposer ce cerveau qui en a, ma foi, vraiment bien besoin. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un minimum intéressé, même si alors, encore où je filme, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au montage, ni d'ailleurs si je vais vraiment la publier. Bref, on verra bien. Vous connaissez en tout cas le blabla habituel, et puis bien sûr, moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et aussi de passer bonne nuit. Allez, bye. Adieu, petit spot de lecture.